Salut à tous, c'est Rul. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau papa. Alors, j'ai dit pas que je ferais sûrement des papas rétro. Et ben voilà, ça va être le premier sur Banjo et Kazooie, le jeu culte de la Nintendo 64 de Rareware. Vraiment un jeu absolument incroyable. Alors, je vais prendre le premier fichier qui est vide et c'est parti. Alors, je vais essayer, je dis bien essayer de faire le jeu à 100%. Récupérer toutes les alvéoles, toutes les pièces de pulse, toutes les notes de musique, enfin tout ce qui traîne. Allez, je vous laisse regarder l'intro. Et voilà, toute l'histoire de Banjo et Kazooie est résumée dans cette intro incroyable, encore une histoire très poussée. Notre petite sœur a été enlevée par la méchante sorcière et on va devoir aller parcourir toute sa maison, son manoir, pour aller sauver sa petite sœur. Alors Banjo et Kazooie, c'est vraiment pour moi un des meilleurs jeux de plateforme qui existent. Tout y est, des grands mondes ouverts, on peut se balader où on veut, plein de techniques, des dizaines, des centaines d'objets récupérés partout, des musiques incroyables, le jeu réagit au doigt et à l'œil. C'est juste génial. Franchement, la 64 avait vraiment de très très bons jeux de plateforme. Donc là, c'est la version HD de Banjo-Kazooie disponible sur le Xbox Live Arcade. Allez, on va attendre que Bottle finisse de nous parler. Apprendre les mouvements de base ou sinon appuie sur B pour passer de mon aide. Alors je connais déjà les mouvements de base. Dégage bouffon, on veut pas de ton aide. Alors je sais pas si vous avez regardé, mais la sorcière elle parle uniquement qu'en rime.
C'est assez rigolo. Et dans la traduction, ils l'ont bien respecté, hein. Allez, c'est parti. Donc vous avez plein de mouvements à faire, hein. On peut sauter et piquer avec Kazooie. Donc Banjo, c'est l'oiseau. Kazooie. Banjo, c'est l'ours. N'importe quoi. Banjo, c'est l'ours. Kazooie, c'est l'oiseau. Et ils ont vraiment une panoplie de coups. Assez incroyable, hein. Il y a vraiment une panoplie de compétences. On en apprend en plus de plus en plus. Donc là, il faut que je commence par ramasser toutes les alvéoles. À chaque fois que je récupère 5 ou 6 alvéoles, ça me rajoute un alvéole de miel. Enfin, c'est ma barre de vie qui s'agrandit un petit peu. On va commencer par aller chercher toutes ces petites alvéoles rapido. Hop, ah non, il y a une vie cachée derrière la cascade. Voilà. C'est ça qui est trop bien, ce jeu. Tout le monde parle, les bruitages, enfin... Moi, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué, hein. Banjo Kazooie. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'y joue. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, et en plus, c'est vraiment super bien. Vraiment des tonnes de choses à faire. Alors, il y en a 6 alvéoles, voilà. Je viens de compter 6 alvéoles. Sachant qu'il y en a 2 cachées par level. Non, c'est pas ici. Ah, il est sur l'autre arbre, voilà. Les musiques sont entraînantes. Enfin, tout est bon dans ce jeu. Franchement, j'ai passé des dizaines d'heures et des dizaines d'heures. Alors, je vais essayer de le finir, ouais, à 100%. Ramasser toutes les notes de musique, toutes les pièces de puzzle et toutes les alvéoles. Donc, je vous ai dit, il y a 2 alvéoles par level, par monde. 100 notes de musique et 10 pièces de puzzle. Il y a 9 niveaux en tout, et en fin de compte, le l'antre de la sorcière en... qui sert de hub pour les niveaux est considéré lui aussi comme un niveau, parce qu'il y a aussi des alvéoles et des pièces de puzzle cachées là-dedans. À cacher là. Vous allez voir, on va croiser plein de personnages inoubliables. Toi qui fait ouais, vous verrez en temps voulu. Un ours qui fait de la luge, qui délaisse ses enfants le jour de Noël pour faire de la luge et qui crie ouais tout le long. C'est juste excellent. Ah, j'ai pas encore la compétence pour marcher plus vite, ça, je l'aurai plus tard. Ça y est, là, j'ai augmenté ma barre de vie, on va pouvoir vraiment commencer l'aventure. Rentrer dans le domaine, hein, de la méchante sorcière. C'est Gruntilda, je crois que ça s'appelle. Gruntilda, quelque chose comme ça, je m'en souviens plus vraiment. Mince, ça commence bien. Puis vous verrez, bien sûr, plus vous avancez dans les mondes, plus on va avancer dans les mondes, plus la plateforme va devenir corsée. Puis ce qui est bien, c'est que les mondes sont tous différents. On va aller traverser le désert de Gobi, un port qui est pollué. Enfin, vraiment de tout, c'est excellent. Allez, hop. Et Bottle, la petite taupe, elle sera là pour nous ouvrir des portes scellées quand on aura ces notes et pour nous apprendre de nouvelles techniques, parce que bien sûr, il y a des techniques cachées dans tous les levels. Et il va falloir que je me dépêche avant que ma gentille petite sœur soit transformée en laidron. Après, je vous lirai les phrases de Gruntilda, parce que dans le jeu, il y en aura un. On croisera aussi la sœur de Gruntilda, la gentille fée, qui nous donnera plein de trucs, plein de secrets sur la méchante sorcière. Et vous verrez que l'affrontement final est absolument épique. Le voilà, c'est parti. Il mourra et moi je ris. Allez, on va commencer par le premier monde. Donc, les pièces de puzzles que vous ramassez dans les niveaux va vous servir à compléter des puzzles et qui vous ouvrira. Ces puzzles vous ouvriront les prochains niveaux. Voilà.
C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme dans les étoiles dans Mario. Dans Mario 64. Plus vous en avez et plus vous allez pouvoir débloquer des niveaux. Alors cette énigme était facile même pour le plus gros des débiles. Alors il y a trois mouvements de cachet. Voilà les notes de musique. Elles sont là. 100 par niveau. Alors, les petits Z, ce sont des Jinjos. Il y en a 5 de cachés par niveau. Et quand j'ai délivré les 5, ma récompense, c'est une pièce de Pulse. Donc, il faut libérer. Tout s'est libéré dans le niveau. Ils sont assez bien cachés en général. Allez, on va commencer par le gorille. Hop. Alors, trouve 10 pièces de pulse dans chaque monde et nous t'aiderons dans la tanière de la sorcière. Pananana. Alors là. Hop. On va lui piquer son orange. Alors tout le monde part dans ce monde. Bon, en tout cas, oui, les oranges parlent, les arbres parlent, enfin tout le monde part, c'est incroyable. C'est un monde féerique. Et de deux pièces. Alors, les œufs, ça va me servir. Hop, il faut que je parle à la taupe. Il est temps pour toi, l'oiseau, d'apprendre la technique des œufs. Je t'écoute, mon petit bouchon. Appuie longuement. Bon, ça, je vous passe les détails, blablabla. Ouah, c'est cool. Autre chose ? Bien sûr, appuie sur B à la place du Y et tu pourras jeter un œuf par le... par derrière. Ça doit faire mal. La petite caille peut porter jusqu'à 100 œufs. Allez hop, remets-moi un peu d'énergie, voilà. Alors là, j'irai plus tard. Il crachait des œufs. On le mitraille. C'est mal, hein. Voilà. On se bat, tu conga, moi j'en ai pris. Et de la troisième déjà. Pièce de peur, c'est le premier niveau, hein. Ça va aller vite. Pas trop long normalement le premier niveau. Il va falloir que je revienne ici à la fin. Oh, écoutez-moi cette musique. Elles sont vraiment excellentes. D'ailleurs les musiques elles ont pas rares, elles ont été reprises et légèrement retouchées pour Donkey Kong 64, ils sont pas fait chier hein. Alors, je vais avoir. Une compétence normalement là-haut. Voilà. Ah,
Alors, je vais apprendre le Turbo Sprint. C'est Kazooie qui va porter le gros ours Banjo. Ça permet d'aller plus vite et surtout, je peux marcher maintenant sur les pentes un peu plus raides. Hein. Parce que sinon, Banjo glisse sur une pente trop raide, il peut pas y aller. Voilà. Alors, je vais me déplacer une bonne partie du jeu comme ça, parce qu'en général, on se dépasse plus rapidement comme ça. Alors, j'ai un Dijo sans haut, mais je dois voir... Voilà. Le gris-gris de Mambo. Alors, Mambo, c'est un magicien qui pourra transformer nos deux petits monstres en diverses choses, en plein de choses d'ailleurs, qui vont être très utiles au fur et à mesure de l'aventure. Mais il a besoin... de gris-gris pour avoir assez de puissance magique. Alors, on va en profiter. Hop, on va récupérer toutes les pièces qui traînent ici. Ça sera fait comme ça. Alors, ce qui est en jeu, c'est que les notes de musique sont toujours en groupe. Alors, en groupe de 3, en groupe de 5. Comme ça, en général, il vous manque rarement une seule note de musique. Il vous en manque toujours un petit groupe de 3. C'est plus facile à retrouver. Allez, hop, moi. Il va falloir que je rentre là-dedans. De mémoire, il doit y avoir un gris-gris Mambo qui traîne juste là. Voilà. Et le reste, je peux pas encore y aller. Il va falloir que je fasse ma première transformation pour aller plus loin. Allez, on va récupérer ce qu'il y a là. Encore un Dinjos par là. Donc dans Banjo, si vous voulez pas être perdu, il faut vraiment ramasser les notes. Pas dans l'ordre, mais quand vous êtes dans un coin, ramassez-les toutes. Sans pas traîner une, parce qu'après, il faut se retaper tout le niveau, savoir où est-ce qu'on a oublié un groupe de notes. Ça peut prendre pas mal de temps. Alors... Hop. C'est là à peu près, je crois. Voilà. C'est peut-être un des jeux auxquels j'ai le plus joué sur ma 64 à l'époque. J'étais vraiment super fan de l'ambiance, même encore aujourd'hui, hein, ce jeu était incroyable. Hein. Après, ils ont fait une suite Banjo-Tooie et ils ont encore réussi à faire mieux, quoi. C'est incroyable. Ils ont fait un jeu absolument monstrueux. Moi perso, sur 64, Banjo-Kazooie, je place un cran, mais vraiment un millimètre avant un Mario 64. Mario 64 m'avait mis une claque, mais Banjo, c'est vraiment le jeu qui... Enfin, le jeu de plateforme qui m'a le plus scotché, à vrai dire. Voilà, on a découvert les trois mouvements de ce monde. Hop. En gros, tout le monde, c'est l'attaque Rodeo. Hein. Ils ont repris certaines attaques de notre bon vieux plombier. Des œufs, on n'en a jamais assez. Hop. Et le dernier Jijos. Voilà, on récupère sa pièce de puzzle. Déjà 6 pièces de puzzle, ça avance plutôt pas mal. Et de 7. Et là, vous allez voir, il y a un piège à la fin. Faut pas détruire le dernier, parce que l'alvéole. Juste au-dessus, ça y est, j'ai les deux alvéoles du monde. Ping ping. Banana, hop. J'en ai une là.
ping, ping. Oh là là, cette musique. D'ailleurs, je sais pas comment Kazooie fait pour abattre toutes ces... pièces de puzzles. Surveille ton langage, du... Les gris-gris de Mambo cachent des... Par sorcière, trop gris-gris de Mambo télé. Mince, il m'en manque un. Ah, je crois savoir où j'ai oublié. C'est pas grave. Chercher. Ah, oh, j'arrive pas à monter sur le poteau. Voilà. Ah, il doit être là où je laissais tout à l'heure. Enfin, ça, je suis pas allé. Hop. On va y retourner vite fait. Où est la sortie? Je vois pas la sortie. Je suis perdu. Ah, est là. Voilà. Ah oui, c'est que j'ai pas voulu. J'ai pas encore la technique pour la sorcière. C'est pas grave. Faut que je retourne voir notre copain le gorille. Et l'avantage aussi comme ça, c'est qu'elle glisse, Kazooie, je trouve qu'elle va un peu plus vite. Voilà, c'est bien ce que je pensais là-bas. Ah, j'ai fait encore un morceau trop court. Voilà. Et l'inertie est très bonne aussi. C'est pas que je tombe, c'est pas grave, je vais remonter. Alors ça c'est les interrupteurs sorcières. C'est ce qui va me faire apparaître mes pièces de puzzle dans la tanière de la sorcière. Donc dans chaque niveau, hop, il y a un interrupteur qui est caché comme ça. Et qu'il faut trouver si on veut avoir les 10 pièces de puzzle de la tanière de la sorcière. Voilà. Maintenant, je peux retourner voir Mambo pour qu'il me transforme. Banjo, plus vite! Allez, transforme-moi! Oubouda! Et me voilà transformé en termite. Donc je vais être transformé en plein de choses, hein, tout au long de l'aventure. Il y aura même des transformations spéciales, vous allez voir. Alors ce qui est gros, c'est qu'on a toujours notre sac à dos bleu. Et maintenant que je suis une termite, eh ben je vais pouvoir rentrer dans ma termitière. Ils sont tous jaloux de mon short, ils veulent tous me piquer mon short. Aïe! Voilà, j'ai la note. Il me reste 3 notes de musique de mémoire, elles sont plus hautes. Sinon, c'est que j'ai raté un groupe de 3 quelque part. Ah non, elles sont en oui. Hop! Normalement, elle devrait être là. Ah non, elles sont pas là. Mince. J'ai raté un groupe de 3 notes quelque part. Alors, où est-ce que sont ces 3 notes de musique que j'ai ratées? Est-ce qu'elles seraient pas sous l'eau? Ah, voilà, j'ai pris qu'une case. Hop. Et voilà. Le premier niveau. Eh ben, il est fait à 100%. 100 notes de musique, 2 alvéoles. Les Jinjos, c'est fait. Les pièces, oh, tout est bon. Hop. Et voilà, bah ça y est, le premier niveau est fait. Ça a été rapide. À combien de temps j'ai mis? Est-ce que j'ai battu mon record? Ou pas? 13,44. Non, j'ai pas battu mon record. Je crois que je l'avais fait en 11 minutes une fois.